Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver dans une vidéo sur les jours fériés anglais. Je voulais vous faire cette petite vidéo parce que c'est vrai que c'est intéressant de savoir un peu comment marchent les jours fériés en Angleterre parce qu'ils sont très très différents de la France. C'est vrai que souvent mes parents en fait croient que je suis en jour férié alors que je ne suis pas du tout en jour férié le jour où ils le sont et vice versa. Donc voilà, je voulais vous faire un petit topo sur les jours fériés et en même temps vous parler un petit peu des fêtes qu'ils ont. Je vous referai une vidéo spécialement sur les coutumes anglaises avec les fêtes vraiment qui ne sont pas souvent des jours fériés. Mais voilà, je vais vous refaire une vidéo spécialement sur les coutumes anglaises, coutumes et traditions. Là, c'est uniquement les jours fériés et pourquoi en fait il y a un jour férié tel jour. Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de laisser un petit j'aime sous la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Je sais que vous êtes 95% à regarder mes vidéos et vous n'êtes pas abonné à ma chaîne. Voilà, bon, faites comme vous voulez, mais c'est vrai que c'est mieux d'être abonné, comme ça vous pouvez recevoir en fait les notifications comme quoi une nouvelle vidéo est sortie si jamais ça vous intéresse. On commence tout de suite, c'est parti. Donc les jours fériés en fait en Angleterre sont appelés bank holiday, donc ça veut dire en fait des vacances pour les banques. Ça a été instauré au 19e siècle, à cette époque là en fait avant le 19e siècle, je n'ai pas la date exacte de quand ça a commencé, mais les personnes qui travaillaient dans les banques, les employés de banque, n'avaient pas du tout de congé, et donc en fait ils ont instauré, je crois que c'était sous la reine Victoria, que les banques aussi aient des jours de congé, donc on appelle ça des bank holidays. Ça veut dire que ce sont des jours où les banques sont fermées, donc généralement lorsque les banques sont fermées, les autres business aussi sont fermés. Donc c'est vraiment très suivi en Angleterre, vraiment il y a tout, enfin c'est obligatoire en fait pour les entreprises de suivre les jours fériés. Si jamais vous avez travaillé dans la restauration, dans l'hôtellerie, généralement ils vous rendent en fait ces jours fériés comme on va en temps de vacances. On a 8 jours fériés par an, soit vous êtes en congé les jours fériés si jamais vous avez travaillé dans une entreprise à peu près normale, ou si vous êtes dans l'hôtellerie restauration ou dans des endroits et qui demandent comme médecin ou infirmière, vous pouvez en fait rattraper ces jours fériés en fait lorsque vous le souhaitez. Ce qu'il faut savoir aussi, ce que je trouve extrêmement bien en Angleterre et qu'on ne fait pas en France, c'est qu'en fait lorsqu'un jour férié tombe un samedi ou un dimanche, le jour férié en fait sera reporté au lundi suivant, enfin au lundi, ou je veux dire au jour non férié qui suit. Donc vous perdez en fait jamais de jour férié, même si ça tombe pendant un week-end, et ça je trouve ça génial, parce que là par exemple je crois que c'était l'année dernière, je sais plus exactement, mais je crois que Noël tombait un dimanche ou quelque chose comme ça, et en fait il a été reporté au mardi qui suivait, parce que le 26 décembre aussi vous allez voir, mais c'est férié aussi, donc c'est plutôt cool en fait. On peut avoir des longs week-ends en fait si jamais le jour férié tombe pendant un week-end, ce qui est plutôt pas mal. Faut savoir aussi là que je vais vous donner en fait les jours fériés vraiment typiquement de l'Angleterre même. Je vais pas vous donner les jours fériés de l'Écosse et d'Irlande parce qu'en fait ils sont aussi parfois différents. Il y en a beaucoup des similaires comme Noël, Pâques, ce genre de choses. Par contre il y a des jours fériés qui sont un petit peu différents, je les ai pas notés, par contre je les ai pas faits. Moi je m'occupe vraiment que de l'Angleterre parce que c'est là où j'habite et c'est ce que je connais. Donc voilà, si une personne habite en Écosse ou en Irlande, n'hésitez pas à me dire en commentaire quels jours fériés vous avez de différents avec les Anglais. Je serais très très curieuse de le savoir. Donc le premier jour férié en fait tombe le 1er janvier, donc comme en France, qui est donc le jour de l'an. Comme j'ai dit, en fait, si jamais ça tombe un week-end, c'est reporté au lundi qui suit. Mais voilà, le jour de l'an, le 1er janvier, c'est férié comme pour en France. Le férié suivant en fait qu'il y a, c'est celui qu'on appelle Good Friday, qui est donc le vendredi avant le lundi de Pâques. Donc c'est jamais vraiment le même jour en fait, c'est pour ça que je vous donne pas une date spécifique. C'est parce qu'en fait c'est vraiment juste avant le lundi de Pâques, et c'est vrai que le lundi de Pâques ça tombe en fait pas tout le temps au même jour. Donc voilà, c'est toujours le vendredi avant le lundi de Pâques qui est férié. Good Friday en fait c'est, je crois la signification en fait c'est la crucifixion du Christ. Et vous avez aussi juste ensuite, donc le lundi de Pâques qui est appelé Easter Monday, qui est aussi férié et qui est le jour de la résurrection du Christ. Pour ceux qui sont chrétiens et qui connaissent un petit peu la religion catholique, ce sont voilà, les significations de ces deux jours fériés. Ensuite vous avez le May Bank Holiday, donc ce qui est le premier lundi de mai. Alors nous en France je crois qu'on a le 1er mai qui est la fête du travail, qui est férié. Nous en Angleterre on n'a pas ça. Enfin, mis à part si jamais le 1er mai tombe un lundi qui est le 1er lundi de mai, là on aura un férié. Mais ça tombe toujours le 1er lundi de mai, donc peu importe la date. Voilà, vous avez ce jour-là qui est vraiment réservé en fait pour qui est un jour férié. Et en fait ce jour-là généralement lors des bank holidays vous avez des soldes. Donc ça, vous allez voir que chaque bank holiday en fait a ses propres soldes, mais c'est vrai que celui de mai est vraiment très 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 suivi parce que vous avez toutes les soldes d'avant l'été. Voilà, les gens généralement se ruent dans les magasins, et enfin même si on dit que les magasins sont fermés, mais ils sont quand même ouverts. C'est ça un peu le truc bizarre, c'est qu'en fait les jours fériés généralement les magasins
ne les ont pas, mais ils les rattrapent après un jour de congé, vacances en quelque sorte. En mai, c'est vrai que mai, moi, c'est mon mois préféré parce qu'en fait, vous avez deux bank holidays, donc deux jours fériés. Vous avez aussi le Spring Bank Holiday qui est le dernier lundi du mois de mai. Qui est pareil, un jour de solde, généralement très très suivi et où les gens se ruent dans les magasins. Après ce Spring Bank Holiday comme ils l'appellent, on n'a pas de Bank Holiday avant août, donc après ça tombe au dernier lundi d'août qui est donc le Summer Bank Holiday. Donc ça c'est plutôt cool aussi parce que pareil vous avez des soldes et en fait c'est plutôt bien parce que ça vous donne un long week-end de 3 jours en fait lorsque vous arrivez à la fin août. Donc si jamais vous voulez vous faire des vacances, généralement moi c'est vrai que j'aime bien faire mes vacances. Là c'est ce qu'on avait fait pour l'Australie, en fait on avait joué un petit peu avec ça. Au lieu de retourner au travail le lundi, vous pouvez retourner au travail le mardi. Donc c'est vrai qu'on était revenu d'Australie, une team avait pu avoir un plus long week-end pour pouvoir récupérer un petit peu du jet lag et ce genre de trucs. Donc si jamais vous habitez en Angleterre et que vous voulez poser des vacances, essayez de jouer avec ça parce que comme ça ça vous évite de poser un jour de congé à vous. Voilà, c'est la petite astuce, mais voilà, c'est plutôt pas mal. Faut savoir par contre que si jamais vous voulez réserver lors des jours fériés, c'est un peu comme en France, ça coûte très cher, ça coûte plus cher vu que c'est des périodes de pointe, donc ce qui est normal. Mais voilà, après c'est voilà, faut savoir ce qu'on veut. Après août, malheureusement, on n'a pas d'autres jours fériés, donc on n'a pas, je crois qu'en France, on a l'Ascension, enfin le voilà le 11 novembre, je crois que c'est férié ou quelque chose comme ça. Mais voilà, nous en Angleterre, on fait pas ce genre de choses, on fait pas tout ce qui est 11 novembre et machin, tout est pas férié. En fait, de août à décembre, en fait, on n'a pas de jours fériés. Par contre, on a bien sûr le 25 décembre, donc le jour de Noël, donc le Christmas Day comme ils l'appellent. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait si jamais le 25 décembre tombe un samedi ou un dimanche, ce sera reporté au prochain jour ouvré. Généralement, je vais en parler juste après, mais vous avez aussi le 26 décembre qui est férié, donc ce sera reporté au 27 par exemple. Le 27 décembre en fait sera comptabilisé comme un jour férié si jamais le 25 tombe pendant un week-end. Je sais pas si c'est très clair, mais en gros c'est ça. Et enfin, vous avez le 26 décembre qui est Boxing Day, et ce jour-là en fait avec... Enfin, vous avez des soldes, tout ça, ce genre de choses comme tout bank holiday. Et aussi c'est le jour où en fait il y a, on appelle ça Boxing Day. En fait à la télé vous pouvez regarder ça, c'est généralement des matchs de foot, enfin, voilà, des matchs de foot en Angleterre. Il y a beaucoup d'équipes qui se mettent à jouer ce jour là et c'est très réputé enfin voilà pour les personnes de regarder ce genre de choses à la télé. Je crois que même en France les matchs là ils les rediffusent aussi en France en même temps, donc le 26 décembre. Le Boxing Day, je sais plus quand est-ce que ça a été mis en place, mais je crois que c'était au siècle dernier et qu'en fait c'était fait pour que les employeurs offrent de la nourriture à leurs employés. Donc en fait en ce jour là en fait c'était les employeurs qui faisaient des petits cadeaux en fait à leurs employés, comme de la nourriture ou voilà des petites primes ou ce genre de choses. Voilà, c'est aussi il y a beaucoup en fait lors de Boxing Day vous pouvez aussi faire des dons en fait de cadeaux pour des enfants qui sont dans la nécessité. Donc c'est vrai que c'est plutôt bien, c'est un jour vraiment de partage, le Boxing Day. Généralement, enfin moi je sais qu'avec la famille Atim l'année dernière, c'est généralement un jour où les gens sortent, vont au pub, vont se balader un peu dehors et tout. C'est juste après Noël, donc comme ça les gens continuent de manger et partent digérer un petit peu après avoir mangé comme des gros. Donc ouais, c'est plutôt cool. Donc c'est vrai que Boxing Day c'est vraiment un jour férié sympa. Et après Boxing Day, donc on recommence avec le 1er janvier et c'est reparti pour une nouvelle année comme ça. C'était une petite vidéo un petit peu courte pour vous raconter un petit peu comment les jours fériés anglais se passaient. J'espère que ça vous a plu. Je vous ferai une vidéo spéciale sur les coutumes et traditions. Je vous la réserve un peu plus pour aux alentours de Noël, comme ça si jamais ça vous intéresse, ce sera un petit peu plus ambiance Noël, ce sera sympa. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime sous la vidéo. On est bientôt aux 4000 abonnés et donc je vous remercie infiniment de me suivre de plus en plus et j'espère vous retrouver la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao !